marché du coworking aujourd'hui en Ile-de-France, c'est 1% du parc locatif, alors que dans le centre Londres, on est à 6,5. Donc on peut déjà imaginer qu'il y a de la place encore et de l'évolution dans les années à venir. Et on voit aussi pas mal d'offres qui se structurent avec des marqueurs différenciants sur la typologie de services ou d'offres. Mais au-delà de ça, on voit vraiment qu'il y a une prise en compte par les grands comptes dans leur stratégie de flex office du coworking et des entreprises qui font le choix de mettre leurs sièges sociaux ou d'avoir une stratégie globale avec leur siège social en bail classique, plus des compléments en région ou à l'intérieur des grandes villes grâce à ce produit-là. C'est déjà en route et on peut penser que dans les années à venir, ça va s'intensifier. Donc la nécessité de bien les accompagner pour comprendre l'offre, les besoins et d'aller aussi au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur le produit coworking, sur la qualité, sur l'impact qui est plutôt en fait un bénéfice. C'est plutôt un impact positif sur le bien-être des salariés et pas l'inverse. Donc vraiment les accompagner là-dessus avec du test. Et puis nous aussi, c'est à nous, grâce au retour d'expérience, de faire évoluer l'offre en fonction de leurs nouveaux besoins.